Oui, c'est clair, au-delà de la défaite, c'est la physionomie du match surtout aussi. Après, en mi-temps, on rentre bien dans le match, malheureusement, après on prend ce pénalty. Après, on a eu pas mal d'occasions, on arrive à revenir, même si on aurait pu faire le break avant la pause. Après, on revient bien aussi en deuxième période. On arrive à prendre l'avantage, encore avec beaucoup de situations. Et après, on les a laissés revenir au score sur un débordement sur le côté. Et après, il y a ce troisième but où la balle elle flotte un peu et je fais une erreur de main et elle va au fond. Ben, je sais pas, c'est... En fait, on jouait le tout pour le tout, alors qu'on avait au moins un point d'acquis déjà. Même quand il y avait 2-1, on s'est quand même jeté dans la bataille. On aurait dû peut-être rester plus en place et attendre pour jouer des contres. Mais on a essayé d'aller mettre encore un but et on s'est fait un peu contrer à l'extérieur, chose qui est difficile à accepter. Et après, on s'est fait punir à la fin sur mon erreur. Donc voilà, on perd ce match. Non, forcément, il y a des choses positives à tirer dans toute défaite, mais c'est vrai que ça l'a fait mal quand même.